below us or equal to us, so it's good to put them behind us, and now we have two wins over them. It's a tight schedule and tight results, so every win now is very, very important, and it was a fantastic victory for us. We're 5-7 now, I think, in the last seven games, so it's just a great win for us. We need to fight for every point, you know. We're in the bottom half, unluckily, but I mean, we're just trying to win our way up again, and every game has to be like a finals, you know, because if we come in and just play like it's a regular game, we might just lose, you know. So we have to go in there and put everything out there, especially now without Steve. I've loved Felix from the beginning. I think Carl had a difficult beginning, but he's definitely grown as a player. And I think the team and the coach is giving him more responsibility now, and he's stepping up. Because Steve is out, we need him to play better, and he's definitely done that. And it's just fantastic for us. I really like what they're doing right now. Il y a des moments très faibles et des moments très hauts, avec de l'euphorie, de l'enthousiasme, et puis des moments où, où on perd les pédales trop simplement, mais enfin, on a les défauts de nos qualités. Et, sur le terrain, il y avait 22 ans de moyenne d'âge à un moment donné, donc forcément, voilà, il faut qu'on arrive à gommer le plus possible nos défauts. Avec le travail, mais bon, tous les jours ils le font depuis le début de l'année. Donc on progresse. Je pense qu'on a réussi à faire un match plein, même s'il y a eu deux moments qui auraient pu nous coûter cher. Mais bravo à ces jeunes. Bon, Félix, ça fait quand même plusieurs matchs. Carl, il est à plus up and down. Là, il joue sur un poste 4 qui lui va peut-être mieux pour l'instant. Grosse performance de toute façon de ces deux-là ce soir. Non, mais c'est un championnat de fou. Enfin, de mémoire, c'est jamais arrivé. Que tu peux jamais te reposer. On vient de faire 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Et puis tu te dis, bon, tu vas prendre un bol d'air à un moment, mais il n'y a pas de bol d'air. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris le goal average, donc ça fait quand même 2 victoires. Qu'on a le goal average pour l'instant sur ces 5 mois, ça fait 2. Mais en même temps, on est à un match des playoffs. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est allé le chercher, nous comme Boulogne, et qu'à des moments. Voilà, c'est que tu regardes le match de faute sur mer ici, et l'arbitre ici faute sur Derrick, sur un truc, bah il a deux lancers, clac, le match est plié, et puis voilà, t'as des. Voilà, après, ce qui est sûr, c'est que t'as fait la démarche pour gagner le match. Voilà, on l'a fait, comme l'autre équipe. Après, ça tombe de ton côté, tant mieux. Hein.